Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui sur Palworld. Je vais déplacer un petit peu le micro, m'en voulez pas pour vos oreilles. On va se découvrir Palworld, on va créer un nouveau monde. Je vais le changer parce que si je peux inviter un pote après, derrière pour qu'il teste éventuellement... je vais mettre un truc qu'il puisse retrouver. On va garder le Highland. Et donc, on va se découvrir ça. Moi, j'ai regardé une ou deux vidéos quand même. Pour le coup, je fais rarement ça, mais là, je voulais voir à... quand même à quoi m'attendre. Le code d'invitation à ce monde pourrait être retrouvé dans les options. Ouais, on va faire ça. On va faire ça. Ah, on peut vraiment aller personnaliser. D'accord. Vous voyez, on peut après vraiment personnaliser toutes les difficultés. Ok. On va y aller comme ça. Et on fera peut-être plusieurs épisodes. Parce qu'il y a un tuto qui est assez long. Et je pense que je vais faire des vidéos assez longues. Et que je ferai des cuts. Mais c'est pas mal ce qu'ils m'ont fait là. En vrai. Je sais pas trop ce que ça change. Ah si, d'accord. Oui, c'est homme et femme quoi. Après on peut voilà personnaliser un petit peu, c'est pas mal. On peut toucher quelques petits trucs. Ouais, c'est pas mal. Écoutez. On va y aller comme ça. Il y a des visages prédéfinis. Ok. On peut faire une femme à barbe, c'est rigolo. Comme ça c'est pas mal, comme ça c'est pas mal aussi. Type de zneuil. Alors je sais qu'on dit pas zneuil, hein. Pas la peine de me corriger. Je le sais. On peut faire des zneuil de serpent. On va faire des zneuil de serpent, on va les laisser comme ça. Les cheveux c'est pas mal ça. J'aime bien. Ça aussi c'est pas mal, mais c'est plus classique. Sachant que pour l'instant le jeu est une early access. Hein. On est vraiment... je sais pas si le micro est assez proche. On est vraiment... pour l'instant sur un jeu... qui n'est pas terminé. Hein. Bon, ça on va pas toucher. Oui, on va commencer la partie. Attendez, je vais changer d'oreillette parce que là... mon fil, il est un peu court. Alors, je fais un essai de capture en HDR. Après, je ferai le rendu en HDR. Donc, j'espère que ça capture bien en HDR. Je vais essayer, puisque sur YouTube, c'est totalement compatible avec. Donc, autant utiliser ce format. Si on peut et que ça marche bien. Alors, le bois de charpente s'obtient en ramassant des branches ou en secouant les arbres. Ouvrir le menu pour consulter le guide de survie. Et appuie sur la touche flèche du haut pour ouvrir le menu construction. Sélectionne établi de fortune et choisis l'emplacement sur lequel construire. Ok, déjà. Il a dit qu'il fallait ouvrir quoi ? Guide de survie. Dans les options. Ok. Ça, c'est fait. Ensuite, on va pas tout de suite ouvrir
le menu. On est sur Xbox Series X, je crois que je ne l'ai pas dit. On va aller prendre tout de suite. Ça, c'est un point de spawn. Enfin, pas de spawn, mais un point de TP. Tu viens du monde extérieur. Je le sais parce que tu ne sens pas le pal. Tu risques de mourir si tu prends les choses à la légère. Tiens, prends ça et vite te fabriquer une arme. Bois de charpente, x10. Ah oui, là, effectivement, en bas. D'ailleurs, lui, il est cool. Bon. C'est pas d'une fluidité à toute épreuve. Mais, encore une fois, le jeu est une early access. Donc, c'est normal. Alors, vous m'en voulez pas si le micro bouge un peu parfois, mais je suis dans une, on va dire une nouvelle position. J'essaye de voir ce que ça donne, si j'arrive à bien m'installer comme ça. Faudrait que je descende, mais je vais pas descendre comme ça parce que je sens que je vais mourir. Après, on peut, normalement, on peut escalader. Voilà. Comme ça. Par contre, le son n'a pas l'air terrible. Ça, faut les récupérer aussi. Après, on aura une statue qui nous permettra de... qui nous permettra d'augmenter des statistiques. Ouais, je sais pas si je vais réussir à la main. J'aimerais bien m'installer au bord de l'eau quand même, c'est pas mal. Dans une zone dégagée et au bord de l'eau, ce serait bien. Salut les gars, pour l'instant je m'occupe pas de vous. On va aller se mettre par là. On va construire l'inventaire tout... l'inventaire, moi, l'établi de fortune tout de suite. Et à la limite, on va le mettre là contre le mur. Construction. Ensuite, maintenir pour construire. Alors je vous l'ai dit, je ferai certainement pas mal de cuts. Je vais faire une vidéo assez longue, je pense, et je ferai des cuts. Par contre, j'avoue, le son a pas l'air terrible. Ouvrir le menu technologie dans le menu, débloquer la sphère de pal. En gros, c'est l'équivalent d'une Pokéball. La sphère de pal. Il me faut de la pierre. Et après, c'est bien parce que pour fabriquer une pioche en pierre, pour prendre de la pierre, il te faut des pierres. Bon. Torche à portée, machin. Après. Attaquer les pales pour les affaiblir et lancer. Ouais, bah. Pour l'instant, il me faut des cailloux. Des cailloux, des cailloux! C'est comme ça qu'il dit. Ça y est, j'en ai ramassé une. Dans Kaamelott, là. Comment il s'appelle? Attila. Kaamelott! Des cailloux, des cailloux! Je suis complètement cinglé. Je vois de la recette. Merde, il m'en faut encore. J'ai l'impression que le son est pas terrible, par contre. Après, j'écouterai tout à l'heure avec, mon installation, parce que là, j'ai juste une oreillette. De la recette, sphère de pale, lancer la production. Et après, quand vous avez des pales et que vous faites un camp, etc., ils peuvent travailler pour vous. En fait, ils travaillent. Vous leur faites faire des plantations, vous leur faites faire plein de choses. Là, faudrait qu'on aille chercher un petit mouton, là. Mettre une tarte dans sa gueule.
Alors, faut faire attention parce qu'il peut m'attaquer, hein. Mais c'est ce qu'il a fait déjà. Alors bon, j'avais 100% de chance de l'attraper, donc c'est bon. On l'a capturé, on débloque un succès. Ouvrir l'écran technologique et débloquer. Boîte de pales. On va le faire tout de suite. Boîte à pales. Oui, alors là il faut du palladium, du bois et de la pierre. Ok. Le palladium, c'est ça. Maintenant, est-ce que je vais réussir à le... à le choper à la main? J'ai pas l'impression. C'est trop costaud, ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va fabriquer d'abord une pioche. Il me faut des cailloux. On va fabriquer une pioche. Et ensuite... on va prendre le palladium et on va faire la boîte. Prendre une pioche. En plus, il faut que je fasse attention parce que c'est aussi un jeu de survie, en fait. Il va m'aider à attaquer d'autres moutes-moutes. Bon, alors... de chance de le capturer. Voilà. Là, c'est juste qu'il m'en faut 5. Donc, on va... Merde! Oh non! Bon, ça s'est pas passé comme prévu. Il y en a un qui essaye de m'attaquer, là. J'ai plus de boules. Je sais pas combien il m'en faut encore 2. Ensuite, dans les constructions, pour l'instant, je suis pas allé voir dans les technologies. Où est-ce qu'on a le coffre en bois? Ah, coffre en bois, il est là. On va débloquer ça, hein. J'en ai combien des points? J'arrive même pas à voir. Ah, j'en ai 13. Ah oui. Bah, si on a l'arc, on va prendre les flèches, hein. Kit de réparation. Tout ça, en fait, on va débloquer. Petit à petit les choses. Je verrai ce que je vais cut après au montage. Bon. Coffre en bois. Il faut de la pierre et du bois, évidemment. Ensuite ça. Je fasse un lit de fortune. Mais avant, ce serait pas mal qu'on fasse ce genre de truc pour vraiment genre construire une maison.
Ouais, ça se fait direct, hein. Ensuite. On va pas faire un truc trop grand non plus, mais... Ok, point de statut disponible, machin. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va maintenant construire. On va mettre des murs, hein. C'est un peu dommage, on peut pas tout sélectionner d'un coup. Ah, j'ai plus assez de bois. Bon. Donc on allait chercher du bois. Après, il faudra s'occuper des lits. Et après, il faudrait que je me fasse des outils. Qu'est-ce qu'il a? Il s'est fait casser la gueule? Oh merde, qu'est-ce qui lui arrive? Oh bah c'est pas à moi ça. Ouais, je pense qu'il s'est fait casser la gueule. Alors par qui, par quoi, comment? Ici. Là, faudra qu'on batte une porte, évidemment. Par contre, moi, les deux, là, je sais pas ce qu'ils font. Mais j'aimerais bien qu'ils bossent. Faudrait que je capture un chat. Ah, celle-là, je l'ai pas mis dans le même sens que les autres. Bon, c'est pas grave, c'est un détail. On n'y fera même pas attention. J'aurais pu mettre des fenêtres aussi sur les côtés, quand même, ça aurait été bien d'avoir une vue un peu panoramique. Enfin, de ce côté-là, on s'en fout. Mais de ce côté-là, j'aurais pu. Ça aurait pas été. Mais attendez. Ouais, si. J'ai un toit en bois. Non, faut que je sorte de là. On va essayer de faire un truc correct quand même. Que je vais galérer. C'est pas ça que je voudrais faire. Comment on fait? On peut pas le poser comme ça. Là, ça se trouve. Ça se trouve, je suis obligé de mettre une sorte de. Je suis obligé de mettre ça. Et après, je pourrais mettre le toit. Bon. On avance gentiment. Calmement. On va récupérer du bois. En fait, je pense qu'au début, il va falloir être assez patient.
Il va falloir farmer. Mais après, ça va être plus facile avec un camp un peu plus élaboré, puisque mes bestioles, là, mes pals, ils vont pouvoir farmer pour moi aussi, en fait. D'abord, mes deux moutons, c'est déjà ce qu'ils font, même si je comprends pas trop pour l'instant ce qu'ils farment et ce qu'ils font exactement. Et puis après, plus vous améliorez le camp, et plus vous pouvez en mettre aussi dans le camp, justement, à farmer. Donc ça, c'est plutôt cool aussi. Faire pivoter. Pourquoi je peux pas? Ah bah si. On va manger des baies. Oh là là. Hop, on va manger. Mais non! Mais quel idiot, je me suis trompé de touche. Un truc qui brille là, hein, qu'est-ce que c'est? Bon. Par chance, ça va rattraper ma bêtise. Hop. À 17%, bah j'espère que ça va passer. Allez. Merci. Allez. On retourne au camp. Enlever lui. Et on va mettre lui. Je comprends pas, je viens d'entendre mon téléphone sonner alors que je l'avais mis sur ne pas déranger. Je comprends pas bien, mais dans les constructions. Il me faut du bois, bon. C'est pas le plus compliqué à trouver dans le coin. Et on va s'arrêter, hein. Bon, écoutez, je pense que on va s'arrêter là-dessus pour cette première vidéo. Alors, je suis désolé, on n'aura pas fait des choses bien palpitantes parce que, bah, pour l'instant, j'essaie de faire un camp, voilà, après je me débrouille peut-être pas comme il faut, hein. Peut-être que il y a des choses qu'il faut pas faire comme ça, peut-être que je sais pas, hein. Je découvre le truc, j'ai regardé une vidéo vite fait pour essayer de comprendre un petit peu, mais il faudrait que je farme plus que ça, et il faudrait que j'ai voilà, comme ça ils vont avoir chacun un lit. Et puis il faudrait que j'en fasse un aussi pour moi. Un lit de fortune, il me faut du bois. Mais bon, voilà, j'essaie de pour l'instant de comprendre les mécaniques. Et puis j'essaie de d'avancer petit à petit. Il faut 30 pales. J'en ai 6. Je vais essayer de terminer cette maison aussi. Je vais faire autrement. Si j'arrive pas avec le toit, bah, je ferai autrement. C'est pas grave. Ah merde, il en faut beaucoup en fait. Et puis bah après voilà,
On verra, je m'organiserai un peu mieux dans les prochains épisodes. Je pense qu'on partira avec un objectif à chaque fois. Après, je sais pas combien je vous ferai d'épisodes, hein. Peut-être qu'on ira jusqu'au boss de la tour là et qu'on s'arrêtera là après. Pour cette série de vidéos, on n'ira peut-être pas plus loin. Je ne sais pas, on verra bien. Mais en tout cas là, on va s'arrêter pour ce premier épisode où là, bon, on n'aura pas fait grand-chose d'intéressant, mais vous voyez déjà là au moins. Ça farme un petit peu et il m'aide. Écoutez, on va s'arrêter là-dessus pour ce premier épisode. Je vous remercie, je vous dis à la prochaine, salut à toutes et à tous.